qui va concerner la long play d'un jeu qui s'appelle Queen, un jeu d'aventure, parce que je dois l'avouer, quand j'ai commencé à jouer sur Amstrad CPC, j'ai tout de suite accroché au jeu d'aventure. Et l'un des premiers auxquels j'ai joué, c'est SRAM 2, écrit par, que je ne dise pas de bêtises, Jacques et Monique, Ludovic, Serge et Serge Auduc. Ce trio a été l'origine d'un autre jeu qui s'appelait Queen, l'énigme de l'armée de l'ombre. Je vais y arriver. Sorti en 1987 chez R Informatique et développé par Jacques et Monique, Ludovic, Serge et Nicolas Auduc. La musique était en fait par Sejo Pic et la jaquette du jeu a été faite par Michel Rowe. C'est sorti en 87. C'est un jeu qui tient sur deux disquettes, donc quatre faces, qui est quand même assez long. Et qui nous plonge dans la Chine du 8e siècle de notre ère. Donc là, je tiens à remercier Kukulkan de CPC Power d'avoir permis de récupérer son site CPC Power pour m'avoir permis de récupérer l'image des disquettes. Je n'ai pas pris l'image officielle parce que ça plante à mort avec Java CPC. Donc j'ai pris les images qui ont été déplombées. Et voilà à quoi ressemble Queen. Vous verrez, les graphismes sont très fins, surtout pour 1987. La vidéo va durer une vingtaine de minutes environ, et maintenant, je vais rester muet autant que possible. Le seul truc que je vais vous dire, c'est un jeu classique d'aventure, comme Lille, comme SRAM et compagnie, c'est-à-dire un graphique, une image qui représente la scène, et bien sûr, on doit rentrer les commandes en mode texte. On est parti.
Voilà, vous avez pu le voir, le jeu était quand même très fin, il y avait beaucoup de graphismes, même en cas de couleur, qui était super fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao!